Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Ça y est, on va clôturer cette année 2021. On va commencer cette année 2022 en espérant avec plus d'optimisme et on va dire un peu moins chaotique hein, que ces derniers mois. Donc on va voir déjà ce que nous réserve cette semaine, comment on va la clôturer et comment on va commencer cette année 2022 et j'espère en toute sérénité. Donc j'ai pris l'oracle Outre Chimère, l'oracle Umrazaï, le tarot Téléma. On fait la synthèse avec ma lumière intérieure, c'est ça. Et puis on finira par un petit conseil ou mantra avec le petit oracle des couleurs. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous réserve cette semaine du 27 décembre au 2 janvier. La musicienne possédait la séparation. Ouh. Et ensuite, nous avons les esprits de la nuit, l'ombre. Ok, alors déjà, ça va être une semaine qui peut paraître assez floue. La séparation, effectivement, ça peut parler de la clôture hein, de cette année. Vous allez peut-être faire un bilan. Mais il y a encore des zones d'ombre. Tout n'est pas tout à fait clair. Donc, ça peut être en rapport par rapport à notre très chère société. À l'ambiance générale, ça peut être aussi par rapport à un domaine de votre vie où vous, dans sa globalité, où vous allez faire un bilan, où il y a encore des choses à régulariser, si j'ose dire. Donc, en fonction de votre situation, on est dans une semaine comme ça où, eh bien, il n'est pas évident de clôturer certaines choses. Et il y a encore des zones d'ombre par rapport à certains domaines ou comme je disais, par rapport à cette ambiance générale. On va voir avec Umrazaï, nous avons être à sa juste place, faire ce que l'on est, la numéro 8. Et ouais, trouver son équilibre. Et nous avons la numéro 21 de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Ce qui ne me surprend pas puisqu'on a un bilan à faire. Et on a un bilan à faire et ce qui est intéressant dans ces deux cartes, c'est que vous avez les personnages avec les yeux fermés. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un travail d'introspection à effectuer sur soi-même, faire un bilan peut-être de votre année, de votre situation, de vos ressentis, pour justement essayer de libérer tout ce qui a libéré encore, hein, si c'est le cas, hein, en fonction de chacun d'entre vous et de votre phase de vie. Et aussi de vous préparer à accueillir de la nouveauté, à retrouver ou trouver l'optimisme et à faire en sorte d'être vraiment le plus serein, sereine possible pour commencer cette année civile. Hein, parce que bah, c'est vrai que au niveau calendaire, on commence une année, mais en fonction de votre phase de vie, vous avez peut-être encore des choses à terminer, vous avez peut-être commencé d'autres choses. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle, mais c'est vrai qu'on est dans une semaine plutôt d'introspection, on fait un bilan sur soi-même par rapport à sa situation et aussi d'être réaliste par rapport à sa vie et les possibilités qui s'offrent à nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans une certaine limitation, mais avoir conscience de ce que l'on peut faire et de ce que l'on ne peut pas faire. D'accord? Moi, je l'interprète comme ça, faire ce que l'on est. Vous faites ce que vous pouvez, faites de votre mieux hein, pour résoudre une difficulté, une problématique donnée. Faites au mieux par rapport à la situation générale, en fonction de ce que, de comment votre vie est réglée, d'accord? Pour éventuellement apporter des changements, pour vous adapter, etc., etc. Et puis avec cette carte, la numéro 21, qui correspond au monde aussi. Hein. Donc moi, pour moi, là, du coup, par rapport au tirage, ça me fait plus penser à un bilan, de faire vraiment ce bilan juste et de prendre ce qu'il y a de bon à apprendre, d'accord? Et pour le reste, eh bien, d'essayer de faire un, comment dirais-je, de relativiser, voilà, de prendre du recul, de ne pas vous focaliser sur ce qui a été. On va dire plus négatif, hein, ce qui a été négatif dans votre vie. Justement, essayez de faire un bilan le plus optimiste possible. Et s'il y a des choses qui ont bien moins fonctionné, d'en tirer des leçons pour vous sortir, pour être
comment dire, plus fort, vous sortir grandi de tout cela et essayer vraiment de commencer cette année civile avec cet espoir de commencer quelque chose. Puisque c'est au niveau calendaire, on en profite, on s'appuie sur ça pour essayer de, bah voilà, là, bah je vais prendre, alors les résolutions, je souris à chaque fois, prenez des résolutions réalisables, d'accord? Petit à petit, moi c'est le conseil que je vous donne, hein, mais essayez déjà bah, de trouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité et d'être prêt à le faire, d'accord? Et ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous n'y arrivez pas, hein, si vous êtes déjà dans ce mode de pensée de dire bah, je vais prendre cette résolution, mais que dans un autre coin de votre tête, vous dire oui, mais bon, je sais que je ne vais pas y arriver. Attention, donc essayez déjà de vous dire bah, déjà, je vais essayer d'être heureux et heureuse, hein, déjà avec les facteurs qui me sont donnés. D'accord, c'est déjà pas mal. Voilà, des petites choses comme ça pour bah, commencer cette année avec, avec cette, cet espoir et puis peut-être un regard nouveau par rapport à tout ce qui nous arrive, que ce soit positif ou ce qui l'est moins. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, j'ai une carte la 6 d'épée. De s'éloigner un petit peu, alors les zones de, des zones d'ombre peut-être hein, aussi, et on a 7 de coupe, ouais, on est dans une phase comme ça, où c'est un petit peu compliqué, alors peut-être que certains, alors c'est pas une fuite, mais bon, il y a une espèce de dualité, si vous voulez, avec un aspect, on va dire, j'ai pas envie de dire toxique, mais un aspect qui vous freine ou qui nous freine, d'accord? Et puis avec ce 7 de coupe, avec cette envie de faire plusieurs choses, mais votre expérience passée vous fait hésiter, vous fait cogiter, ou comme je le disais tout à l'heure, par rapport à cette ambiance générale que nous avons, c'est pas évident effectivement d'y voir clair hein, dans tout cela. Donc il y a un peu cette notion de comment dire de vraiment de faire un travail sur soi-même durant cette semaine, déjà pour y voir plus clair, d'essayer de prendre en compte les doutes hein, qui peuvent apparaître. Pour les comprendre, pour essayer de les analyser et de faire en sorte que ils n'envahissent pas notre esprit ou notre manière d'agir. Hein, on est dans une forme comme ça de vraiment être éclairé, de vraiment, entre guillemets, se purifier. Bien sûr, des doutes, on en aura toujours en fonction de la situation, en fonction de plein de choses, d'accord? Mais il ne faut pas que ça envahisse et que ça nous freine dans nos actions, dans nos prises de décision, etc. Il faut juste les prendre en compte, de voir pourquoi on a ces doutes-là, d'accord? Et alors peut-être qu'effectivement avec ce 6 d'épée, on est dans ce côté. Il ne faut pas que ça envahisse le mental, vous voyez? Hein, l'épée, c'est l'esprit, l'intellect, le mental. Peut-être prendre un petit peu de recul aussi hein, par rapport à une situation donnée, de s'éloigner. Alors je prends un exemple tout bête, mais il y a un conflit familial, vous ne voulez pas y prendre part, vous vous éloignez, hein, voilà, parce que bah, ça... Voilà, si c'est conflit familial, forcément ça vous touche et vous ne savez pas comment résoudre parce que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Je prends cet exemple-là, mais voilà, c'est pour imager hein, mon ressenti. Donc un petit peu s'éloigner de tout ce qui, de ce qui vous alourdit ou de ce que vous ne comprenez pas aussi. Si vous ne comprenez pas durant cette semaine hein, ou actuellement, peut-être que vous comprendrez les choses plus tard. Et vous êtes dans une forme comme ça, il y a une forme comme ça de... la coupe, ce sont les émotions, donc un petit peu de d'hésitation. Je sais pas, est-ce qu'il m'aime, est-ce que je l'aime? Je prends un autre exemple, mais vous voyez où je veux en venir. Bon, mais là, c'est pas le moment. Vous voyez, le personnage est assis. Bon, alors, faut essayer de vraiment. Alors, tout ce qui est méditation, relaxation, je me répète hein, à chaque vidéo, hein, vous le savez, c'est vrai, peut aider. Bien entendu. Mais aussi peut-être de discuter avec une personne de confiance qui aura peut-être un regard extérieur aussi, c'est assez intéressant. On va voir justement, on a le 3 de bâton, hein, ouais, dans l'autre alignement, et on a le page de coupe. C'est intéressant parce que vous voyez, on a dans l'alignement horizontal, on a cette hésitation un petit peu de s'éloigner de ce qui nous alourdit. Et là,
dans la ligne verticale, on est plus dans ce 3 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles quand même qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Alors encore un peu de patience. Et avec ce page de coupe, eh bien, j'ai cette sensation-là d'avoir ce regard neuf, d'avoir aussi un regard large. Vous voyez, il regarde loin l'horizon, il le voit arriver. Donc de vraiment d'avoir cette, avec le soleil couchant ou levant, d'avoir vraiment ces, de prendre du recul et par exemple, si vous ne trouvez pas de solution par rapport à une problématique parce que vous vous dites, maintenant, la seule solution pour moi, c'est ça. Non, c'est essayer vraiment d'élargir votre regard et d'avoir un esprit curieux, tel un enfant, hein, qui a un regard neuf, qui découvre tout. Donc, peut-être qu'il y a des choses à découvrir, il y a peut-être justement des nouvelles ou quelque chose qui va vous permettre d'élargir votre regard ou de retrouver un espoir ou un début d'espoir ou de... Comment dire, un début de solution par rapport à une difficulté, une problématique. En tout cas, avec ce page de coupe, c'est intéressant parce il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté pour moi qui arrive et qui va remettre notre cœur en joie. Donc, ça peut être, voilà, peut-être qu'il y aura des mesures moins restrictives que l'on pensait. Enfin, peu importe, il y a un nouvel espoir. Pour moi, il y a un nouvel espoir qui arrive malgré tout. Donc, c'est une semaine un petit peu en dents de scie. Donc, en fonction, bien sûr, comme je dis toujours, ça reste une tendance générale où vraiment il y a un côté où on fait un travail sur soi pour être apaisé, serein et accueillir cette nouvelle année. Hein, et en même temps, et avoir ce regard neuf, ce regard voilà, rempli de curiosité. Lumineux en se disant que oui, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver, il y a de nouvelles choses qui vont arriver et des bonnes choses. Le 3, hein, c'est quand même le chiffre de l'élévation, donc il y a quelque chose, alors ça peut être juste vous à titre perso dans votre vie, hein, dans le domaine professionnel, sentimental, etc., où vraiment il y a l'espoir qui va renaître, hein, parce que vous aurez fait le nécessaire pour que les choses arrivent, ou bien vous y attendiez plus. Et là, du coup, eh bien, il y a, comment dire, de nouvelles opportunités. Donc, on est comme ça un petit peu où ça risque d'être compliqué en début de semaine. Et d'ici la fin de la semaine, je pense que les choses iront mieux. Vous aurez fait le nécessaire. Et du coup, ça va déclencher peut-être un regard neuf par rapport à vous-même. On fait la synthèse des énergies de la semaine et nous avons à s'ouvrir à la lumière. C'est un petit peu ça avec le 3 de bâton et le page de coupe. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu a créé ou l'univers. Dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Très très beau message, s'ouvrir à la lumière, hein, on garde cet optimisme, hein, on cultive l'optimisme jusqu'au bout. Et pour vous aider à vous ouvrir à la lumière, nous avons Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir et elles vont arriver les opportunités. Hein. Hein, très joli message. Bah, écoutez, hein, on clôture bien, hein. Ce sont quand même de bonnes énergies, donc on cultive l'optimisme, on s'ouvre à la lumière et on devrait passer une très très bonne semaine. Donc je vous souhaite écoutez, une excellente semaine, une très bonne année et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt!